Bonjour les amis, et merci d'avoir cliqué sur la chaîne RetroGaming RH. Réponse FAQ de Blaster Joueur Nerf. Donc tous ceux qui m'ont posé des questions, j'aime bien leur mettre une petite pub. Alors comme vous voyez, c'est pas une demi-vidéo, mais c'est une vidéo de cet internaute qui m'a envoyé ses questions. Et tout simplement, ça a fait quand même pas mal de temps, peut-être maintenant 2 ans qu'il est abonné à notre chaîne. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne si vous êtes fan de jouer, de Nerf, parce qu'il a une énorme collection et il collectionne également pas mal de jouets vintage. Et ça fait pas très longtemps à mon avis qu'il a commencé, mais vu ses armoires derrière, franchement, il doit en commander un petit peu tous les mois. Et il commence à avoir une très très belle collection en jouets vintage. Sa première question à Blaster Joueur Nerf. Alors, quel jeu vintage je recherche? Alors, réponse en image. Alors, bien sûr, ça se peut que vous avez du bruit derrière, parce que j'ai la toute petite Minimis à côté de moi. Et elle est en train de jouer avec ses petits jouets. Donc, comme vous voyez en image, ben, tout simplement, je recherche le premier jeu G.I. Joe sur la NES. Je pourrais l'avoir, l'acquérir assez facilement, bien sûr, sur le net, en commandant aux États-Unis. C'est vrai qu'en niveau européen, on le trouve moins, les cartouches un petit peu moins facilement qu'au niveau des États-Unis. Mais si je le commande aux États-Unis, je pourrais l'avoir. Le seul hic, j'aime bien commander mes jeux par rapport à la France, et j'ai horreur d'utiliser ma carte bleue, due à une fois un piratage. Et au niveau PayPal, bah, je me suis fait avoir aussi également par une arnaque sur PayPal. Donc j'aime pas trop utiliser mes cartes bleues, mais prochainement, franchement, ça fait quand même pas mal d'années, je le recherche le premier, parce que j'ai quand même trouvé en France le deuxième en boîte. Mais il va falloir vraiment que je m'attelle à essayer de le trouver, quitte à utiliser une fois la carte bleue comme le prochain jeu que je recherche. Donc le premier jeu G.I. Joe sur la NES. Alors le deuxième, vous allez rigoler, mais c'est un jeu de Mahjong déshabilleur que je recherche. Donc pas la version Neo Geo CD, mais tout simplement la version de Final Romance 2 en Neo Geo AES. Donc c'est possible d'avoir cette cartouche au niveau du Japon. J'aimerais bien le trouver avec la notice et la boîte au niveau des jeux un petit peu trafiqués avec une MVS en fait retransformée en AES. Donc il y a quelques jeux de ce Mahjong qui sont sortis, mais ça me plairait vraiment d'avoir au moins un jeu de Mahjong déshabilleur sur Neo Geo, rien que pour le fun. Donc ce jeu là oui je le recherche. J'avais essayé la version de Neo Geo CD et j'avais trouvé franchement pas mal et assez simple pour un jeu de Mahjong. Donc celui-là, je pense l'acquérir dans l'année ou l'année prochaine. Il suffit d'économiser un petit peu d'argent pour essayer de le trouver. Et là, je devrais utiliser la carte bleue pour l'acheter à un japonais. Alors, pour la prochaine question de Blaster Joueur Nerf, qu'est-ce que je pense des bornes d'arcade fabriquées enfin, nous-mêmes? Ou est-ce que je préfère tout simplement une borne d'arcade, je pense, originale? Donc, si tu regardes vraiment les premières vidéos de RetroGaming RH, tu verras que j'avais une borne d'arcade, malheureusement depuis un malaché, où j'avais une Little Gao Neo Geo originale. En format JAMA, et j'avais mis un adaptateur MVS pour vraiment faire un format Neo Geo avec des jeux MVS qui tournaient dessus. Donc malheureusement cette console a mal lâché. Après j'avais acquéri une carte qui avait pas mal de jeux dessus. C'est pour ça que si vous rapportez aux premières vidéos de RetroGaming RH, un des premiers tests c'est Sailor Moon Arcade. Alors là, j'ai utilisé, excuse-moi, mais comme tu vois, comment faire une borne d'arcade soi-même. Donc, il y a Mafio Geek. Merci Mafio Geek. Je pense que tu m'en voudras pas de t'avoir piqué tout simplement ta vidéo quand tu fabriques ta borne d'arcade. Donc là, vous voyez, et ça fait une petite pub, tout simplement une vidéo de Mafio Geek. Vous pouvez vous rapporter à sa chaîne.
Donc, comment il a fabriqué sa borne d'arcade? Alors, si bien sûr tu ne trouves pas Blaster, genre Nef, comment, une vraie borne d'arcade, ben, ça reviendrait peut-être moins cher de te faire fabriquer une borne d'arcade par quelqu'un qui s'y connaît bien. Par contre, au niveau résolution de l'écran, c'est vrai que un écran PC, ben, c'est pas top par rapport à la définition vraiment arcade de l'époque. Les écrans, ils pouvaient se tourner dans deux sens par rapport aux jeux qu'on mettait, genre les shoot'em up. Donc c'est à toi de voir, mais c'est vrai que maintenant ça pourrait te coûter beaucoup moins cher avec une grosse carte mémoire, mettre plein de jeux dans une borne d'arcade fabriquée toi-même ou par certains magasins de jeux vidéo qui le font. Donc si tu veux plus de renseignements, tu peux te renseigner à Mafio Geek sur sa chaîne. Je pense qu'il répondrait volontiers à tes questions. En troisième question, ben, je pense que vous l'avez deviné avec les images. On va parler un petit peu de Jaiju. Alors, si j'aurais à choisir, quel jouet je préfère au niveau vintage? Celui que je garderai en dernier, vraiment, si je veux tout me séparer. Donc, je pense qu'il y a oui, il y aurait deux jouets vintage que j'aurais un petit peu de mal à me séparer. Donc, bien sûr, vous l'avez deviné, il y aurait G.I. Joe. Parce que j'adore ces jouets tirés d'un des dessins animés que j'ai vraiment bien apprécié pendant mon enfance et un des jouets que j'ai sans doute le plus joué avec les copains parce qu'on avait tous des G.I. Joe. Donc il y aurait G.I. Joe et vraiment peut-être après, mais j'en ai pas beaucoup pour l'instant, il faudrait que j'en rachète en vintage, tout simplement des Saint Seiya. Parce que je suis fan également du manga. Donc, principalement, je pense que ça serait les G.I. Joe que j'aimerais bien avoir. D'ailleurs, la pièce que je recherche le plus pour l'instant, ça serait le pilote de cet avion, vous voyez, du Night Raven. Franchement, c'est un des jouets que le pilote, j'ai un petit peu de mal à le choper pour le moment sur eBay. Donc celui-là, je rechercherai pour continuer ma collection. Alors, on va refaire une autre pub à des collectionneurs, tout simplement à des personnes qui se sont inscrites à RetroGamingRH et qui ont posé des questions pour cette FAQ. On va tout simplement passer à Ced du Salon et Didine. Donc, Ced et Didine, bonjour. Donc, je vais répondre à vos questions, puis je vous fais une petite pub. Donc, tout simplement, c'est des collectionneurs. Donc, ils font pas mal de vidéos sur des achats hebdo ou des retours qu'ils ont. Donc, une chaîne plutôt intéressante à regarder. Ils connaissent plutôt bien au niveau jeu rétro gaming. Donc, à vous de voir pour aller voir leur chaîne. Alors, la première question, quelle est ma première console? Bah, tout simplement, l'Atari 2600 que vous voyez en image. En deuxième question, ils m'ont posé tout simplement, quel est mon jeu préféré? Bah, je l'ai déjà parlé sur plusieurs FAQ avant, qu'on m'avait déjà posé, ça n'a pas changé. Je reste toujours avec mon petit jeu préféré, tout simplement, le fameux RB2 qu'on avait testé sur la chaîne Retro Gaming Rage. Vous pouvez essayer de retrouver cette vidéo là si vous le voulez. Donc mon jeu de baston préféré en versus fighting, donc ce fameux Fatal Fury RB2, que j'ai une petite préférence pour ce jeu là à Mark of the World, c'est bizarre, mais franchement celui-là je me lasse pas, je reviens assez souvent refaire quelques parties. Ben voilà pour vos deux petites questions, Céd et Didine. Et j'espère que j'ai bien répondu. Pour prolonger un petit peu ma première réponse sur l'Atari 2600, c'était vraiment ma première console où j'avais acheté en jeu le Double Dragon. Mais avec quand même une énorme différence entre le Double Dragon Atari et le Double Dragon de la borne d'arcade.
Allez, je vous remercie et je vous encourage à regarder encore notre chaîne Retro Gaming à l'arrache. Par contre, vous avez vu peut-être sur le questionnaire FAQ qu'après il y avait un jeu concours et personne n'a gagné ce jeu concours parce que personne n'a su répondre aux questions. Mais je vais vous faire en image tout simplement les réponses à ces questions. Donc restez avec nous. Alors, personne n'a su répondre, mais voilà la première question et la réponse en image devant vous. Vous saviez bien pourtant que sur Retro Gaming RH, quand je pose des questionnaires, vous répondez, il y a des cadeaux, mais tant pis, cette fois-ci, pas de cadeaux, parce que personne n'a gagné tout simplement, et ça sera remis tout simplement ce lot de DVD et de jeux rétro aux 800 abonnés, donc sans doute l'année prochaine. La première question était le nom de la chaîne de Minimis de Rétro Gaming à l'arrache, et c'était tout simplement ON09. Ah, j'ai bébé qui tousse là-bas. Non, ça va, pas de peur. Oui, j'ai bébé à côté de moi. Personne n'a trouvé, mais tant pis, donc je fais une petite pub en même temps à sa chaîne. Alors, après, la deuxième question, c'était quelle fanzine j'avais fait quand j'étais jeune dans les années 90? Et bien, la réponse en image par rapport à une ancienne vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, rapportez-vous à cette vidéo-là, bien sûr. C'était tout simplement le fanzine que j'avais fait dans. Donc, j'ai fait une vidéo dans Collectionneur et Chiseneur, et c'est un fanzine qui s'appelle Méga 16. Donc, la réponse était Méga 16. Tout simplement. Sur cette vidéo, je décris tout, si vous voulez vous y rapporter, qu'est-ce que c'était ce fameux Forzine. Vous pouvez regarder, il y aura des tests de jeux vidéo, quelques solutions sur d'anciens jeux rétro également. Allez, on passe à la dernière question qui était la plus longue à répondre. Après, en question, vous aviez dans mon générique de 2020 tout simplement une image et quel était le nom de cette chanteuse en image ou chanteur, j'avais laissé le mystère, et ben c'était tout simplement Yuna, la réponse, donc c'était la K-pop. Donc je vous mets un petit extrait parce que Retro Gaming RH, moi personnellement, en membre, j'aime bien la musique, donc je vais vous laisser un petit morceau de chaque réponse qui était plus ou moins tirée de la musique. Donc je vous laisse un petit morceau de Yuna. Alors la question, j'ai encore d'autres réponses parce que je demandais également les deux clips qui se déroulaient, les deux noms des groupes. Donc le premier groupe féminin qu'on voyait dans mon générique de 2020 était tout simplement la réponse que tout le monde connaît, je pense, hein, parce que elles sont connues dans le monde en entier. On les voit même dans Justice League à un moment donné quand Batman parle à Robin. Robin à Flash, pardon. Donc tout simplement la réponse était Blackpink. Alors, la dernière réponse, parce que j'ai bébé vraiment qui s'ennuie à côté de moi, et ben la dernière réponse, le groupe qui était dans le générique était tout simplement 24K. Donc, si vous aurez répondu bien à toutes ces questions-là, et ben vous auriez pu gagner. Mais tant pis. Donc, le colis est remis en jeu dès que j'ai 800 abonnés. Je pense que ce sera soit en fin d'année ou pour l'année prochaine. Le nombre d'abonnés ne grossit pas très rapidement chez Retro Gaming RH. Je vous laisse avec un petit peu de musique et le générique de fin. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, chers amis, pour une autre vidéo. À plus!
Bye bye de toute l'équipe de Retro Gaming à l'arrache. Bye bye.